la douzaine d'expressions. Thème. Sel. Sel. Le sel est un minéral cristallin, principalement composé de chlorure de sodium, NaCl, extrait des mines de sel ou obtenu par l'évaporation de l'eau de mer. Utilisé depuis l'Antiquité comme condiment, conservateur et dans divers rituels religieux et culturels, le sel joue un rôle crucial dans l'équilibre hydrique du corps humain. Bien que nécessaire à la vie, une consommation excessive peut entraîner des problèmes de santé. De plus, le sel a eu une importance historique et économique significative, étant autrefois utilisé comme monnaie d'échange et ayant donné naissance à de nombreuses routes commerciales. 1. Mettre son grain de sel. Cette expression signifie donner son avis ou intervenir dans une discussion, même si on n'a pas été sollicité. Exemple. Elle n'arrête pas de mettre son grain de sel dans nos affaires familiales. Ne mets pas ton grain de sel si tu n'es pas sûr de ce que tu dis. 2. Avoir du sel dans les veines. Cette expression est utilisée pour décrire quelqu'un qui a un tempérament courageux, audacieux et déterminé. Exemple. Face à tous les obstacles, il a vraiment du sel dans les veines. Elle a réussi à gravir cette montagne, elle a vraiment du sel dans les veines. 3. Avoir le sel de la terre. Cette expression est utilisée pour décrire quelqu'un de très précieux et irremplaçable. Exemple ⁇ Elle est la meilleure amie que j'ai jamais eue, elle a vraiment le sel de la terre. Ce bénévole a le sel de la terre, il fait un travail extraordinaire pour la communauté. 4. Donner du sel à quelqu'un. Cette expression signifie taquiner ou se moquer gentiment de quelqu'un. Exemple ⁇ Il aime donner du sel à ses amis en leur faisant des blagues. Elle a commencé à donner du sel à son frère à propos de sa nouvelle coupe de cheveux. 5. Avoir le sel aux lèvres. Cette expression est utilisée pour décrire quelqu'un qui est bavard ou qui parle beaucoup. Exemple ⁇ Elle a le sel aux lèvres, elle ne peut pas s'empêcher de raconter sa vie. Pendant la soirée, il avait clairement le sel aux lèvres, il n'arrêtait pas de parler. 6. Avoir du sel sur la queue. Cette expression est utilisée pour décrire quelqu'un de chanceux. Exemple ⁇ Il a vraiment de la chance, il a toujours du sel sur la queue. J'aimerais bien avoir un peu de ce sel sur la queue dans ma vie. 7. Être la fleur de sel. Cette expression désigne une personne exceptionnelle ou de grande qualité. Exemple. Marie est vraiment la fleur de sel de notre équipe, elle excelle dans tout ce qu'elle entreprend. Ce restaurant propose des plats qui sont la fleur de sel de la cuisine française. 8. Mettre du sel sur une blessure signifie aggraver une situation déjà difficile. Exemple. En lui rappelant son échec, tu mets du sel sur une blessure déjà douloureuse. Il était déjà en colère, mais lorsque je lui ai dit ça, j'ai vraiment mis du sel sur la blessure. 9. Voir le sel dans la soupe signifie être capable de reconnaître ce qui est essentiel ou important. Exemple. Dans ce projet, il est important de voir le sel dans la soupe, c'est-à-dire de comprendre les aspects cruciaux. Le manager sait toujours voir le sel dans la soupe et prendre les décisions appropriées. 10. Être au sel. Cette expression est utilisée pour indiquer que quelqu'un est en colère. Exemple. Après avoir perdu son porte-monnaie, il était vraiment au sel. Elle était au sel quand elle a découvert que quelqu'un avait mangé son gâteau au chocolat. 11. Vendre du sel à quelqu'un. Signifie tromper ou duper quelqu'un. Exemple. Il a réussi à vendre du sel à cet acheteur crédule en lui faisant croire que c'était de l'or. Ne te laisse pas berner par ses paroles, il essaie de te vendre du sel. 12. Être le sel de la terre. Cette expression signifie être une personne exceptionnelle, généreuse et précieuse pour la société. Exemple. Les bénévoles qui travaillent dans les refuges pour sans-abri sont vraiment le sel de la terre. Les enseignants qui inspirent leurs élèves à réussir sont le sel de la terre. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Au cœur d'un petit village côtier, mademoiselle Marguerite était reconnue pour être la fleur de sel de la communauté. Elle avait cette capacité unique de voir le sel dans la soupe, c'est-à-dire de discerner le moindre détail dans n'importe quelle situation. Son café, le sel marin, était le lieu de rencontre privilégié des villageois. Un jour, un jeune homme nommé Rémi vint la voir, l'air triste. Il venait de mettre du sel sur une blessure, une métaphore pour dire qu'il avait involontairement aggravé une situation délicate avec son amour, Léa. Marguerite, toujours prête à mettre son grain de sel, lui offrit quelques conseils pour réparer la situation. Rémi n'était pas le seul à chercher conseil. Monsieur Gérard, le pêcheur du village, venait souvent voir Marguerite. Elle disait toujours qu'il avait du sel dans les veines, tant il aimait la mer. Ce jour-là, Gérard voulait lui vendre du sel, un sel marin particulier qu'il avait découvert lors d'un de ses voyages. En écoutant Gérard, Marguerite sourit en disant, Tu es vraiment le sel de la terre, Gérard. Tu sais donner du sel à quelqu'un, apporter de la saveur à sa vie. Elle ajouta avec malice, Je parie que Léa a du sel sur la queue. Elle ne pourra pas résister longtemps à ton charme, Rémi. Tandis que le jour déclinait, la porte du café s'ouvrit pour laisser entrer Luc, le vieux marin, dont les lèvres desséchées par le vent avaient souvent le sel aux lèvres. Luc était toujours plein d'histoires, et ce soir-là, il raconta comment il était autrefois au sel, c'est-à-dire en prison, pour avoir vendu du sel à quelqu'un sans autorisation. L'ambiance dans le café était chaleureuse. Et chacun apportait sa petite touche, montrant à quel point une communauté soudée est vraiment le sel de la terre. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.